Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 octobre pour un petit haul beauté privée. Voilà, donc j'ai passé commande il y a 3 semaines à moi. J'ai reçu mon colis mercredi. On sait que c'est long chez eux, donc voilà, quand on est habitué, après, on patiente. Voilà, je suis passée par YGREL, ça y est, ils ont enfin fusionné, donc je suis ravie. J'ai eu 7% de cashback, en sachant que ça devait être le lancement de leur fusion, je pense. Maintenant, je crois que c'est 2,5%, mais bon, c'est pas négligeable, hein. Après, ça vous fait toujours un petit peu de sous en cashback, c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, celles et ceux, pardon, que ça intéresse, je vous mettrai en barre d'infos mon lien de parrainage, tout simplement pour YGREL et pour beauté privée. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, je vais essayer de ne pas faire bouger. Hop, voilà, le colis. Alors, j'ai regardé, j'ai testé parce qu'il y a un vernis à ongles et je voulais vous le montrer une fois posé. Donc, voilà. Ça, c'était la protection. Alors, tout d'abord, nous avons des petites cartes cadeaux, en fait. Donc là, nous avons 40 euros en bon d'achat sur 20 Royal. Voilà. Bien évidemment, ça n'est pas marqué en gros, mais il y a un minimum d'achat pour pouvoir, je crois que c'est 80 euros, quelque chose comme ça. Bon, pour ceux qui sont de grands amateurs de vin et qui ont envie d'offrir pour Noël, ça peut être pas mal aussi. Dans un second temps, j'ai jusqu'à 90 euros d'offert sur HelloFresh. Voilà, je vous montre. Je ne l'utiliserai pas, clairement. HelloFresh, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, alors, nous allons déjà commencer par Énergie Fruits. Énergie Fruits que j'aime beaucoup, surtout pour ma puce. Je recherchais ce shampoing depuis un moment dans les grandes surfaces. Je ne le trouvais pas, celui-ci en particulier. Ma fille l'a déjà utilisé une fois. J'avais commandé justement sur Beauté Privée, donc je savais qu'il y serait, évidemment. C'est le shampoing détox. Alors, au thé vert à la menthe et à l'aloe vera bio. C'est 250 ml le tube. J'en ai pris deux. C'était un lot de deux pour moins de 6 euros. Je tâcherai de ne pas oublier cette fois-ci de vous mettre les prix parce que vous pouvez les retrouver toute l'année. Moi, je vais dans leurs produits permanents. Je ne vais pas dans leur vente privée parce que le temps de recevoir le colis et de vous y filmer, ben, généralement, il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, c'est celui-là. Vous voyez, c'est le détox. Il ne régresse, enfin, les cheveux ne régressent pas du tout avec celui-ci, ce qui est génial. Et il laisse les cheveux de ma puce tout doux. Donc, je suis super contente. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que je fais? De chez Christian Lénard. Bien sûr, c'est la fameuse eau florale au romarin. Et je me suis plantée. Au lieu de prendre ma grande bouteille en verre que je prends habituellement, j'ai pas fait attention. J'ai passé une commande assez rapidement parce qu'on allait se retrouver à court d'eau florale. Et je me suis retrouvée avec des contenants, du moins, de 100 ml et ils sont en plastique. J'aime moins, mais bon, c'est pas grave. J'en ai pris 3. Le troisième est dans la salle de bain. Et ça bouge, pardon. Voilà, Christian. Christian Lénard, l'eau florale au romarin. Donc ça, c'est parfait pour les pommes extra grasses. On peut l'utiliser sur les enfants. Bien évidemment, en dessous de 6 ans, on ne met aucun produit sur le visage d'un enfant. À partir de 6 ans, il n'y a aucun souci. Ce qui est bien, c'est qu'il enlève les impuretés. Alors, il ne démaquille pas. Hein. C'est pas une huile. C'est pas une eau micellaire. C'est pas. Voilà. Il ne démaquille pas. Par contre, il fait bien son job. Il purifie la peau. Il la nettoie en profondeur. Il enlève les impuretés. Il traite un petit peu l'acné. Donc, je l'utilise sur moi-même également. Voilà. Donc, je suis très contente du contenu. Par contre, le contenant ne me plaît pas. Mais là, c'est de ma faute. Je me suis plantée. Voilà. Ensuite,
Donc, le fameux petit test. Alors, toujours bien emballé, hein. La dernière fois, je vous ai tourné la vidéo beauté privée. Je m'étais plantée dans les vernis à ongles. J'avais mal lu et quand j'avais vu la couleur des vernis, pour moi, c'était bon, c'était rouge, voilà. Et en fait, c'était un rose pailleté. Pailleté et métallisé, il me semble. Donc, non, en fait. Donc, je le garde pour ma puce. Elle est contente hein, quand c'est les vacances ou que c'est voilà, les fêtes. On en profite. Donc, je suis retombée sur un vernis, je crois qu'il était à 4 euros, un truc comme ça, toujours de chez Essie. Donc, je vous le montre. Il est magnifique. Voilà. Et j'ai lu, pour une fois, la petite description qui disait ce rouge magnifique. Donc là, je me suis dit, c'est bon, c'est un rouge. Carole, tu ne te planteras pas. Donc, il s'agit du numéro 378. Et c'est le Ooh, With the Bond. Bon, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est dommage. Donc, je l'ai testé tout à l'heure, juste avant de tourner sur mon petit doigt. Et le résultat, le voilà. J'ai mis deux couches. J'ai pas mis de top coat ni rien. Hein. C'était juste vraiment pour vous montrer la couleur. Je le trouve très joli. Ça, c'est un vrai rouge pour moi. Voilà, donc je suis super contente. Ensuite... Et là, vous allez être contente de voir ça, je pense. J'ai pris de chez NYX la Photogenic Studio HD. Donc, en fait, c'est une poudre libre. Donc, je vous montre. Je l'ai testée. Hein. Pas aujourd'hui, mais je l'ai testée. Voilà, poudre libre. Qui est flouteur d'optique, les filles. Et elle est géniale. Franchement, elle vous laisse une peau d'une douceur en plus. Elle est imperceptible, on ne la voit pas. Elle est transparente. Elle paraît blanche, mais du tout. Elle est super. Je voulais la tester depuis mais super longtemps. Et je ne l'ai jamais achetée. Et au final, là, je l'ai trouvée sur beauté privée. Donc, je me la suis prise. Je suis super contente depuis le temps que je voulais la tester. Voilà. Il y a un SPF en plus. Oh, mais j'arrive pas à lire. Crotte. Je vous montre parce que je n'arrive pas à lire. Vous n'allez pas y voir grand-chose non plus. J'ai l'impression que ça... Oh là là. Bon, si vous arrivez à lire, tant mieux pour vous. Moi, de toute façon, je vais changer mes lunettes bientôt. Je suis enfin allée chez l'ophtalmo, n'est-ce pas? Et ça y est, les verres progressifs, c'est pour bébé. Hein, voilà. Donc, ben, je suis super contente. Écoutez, ma foi. Il est enfin bien. Et pour terminer, j'ai voulu tester un parfum. Je suis un tout petit peu déçue, je l'ai juste senti, je ne l'ai pas encore porté sur moi. J'ai juste donc enlevé l'opercule, il y a évidemment un film de protection. Alors, le voici, donc c'est de la marque Exosense, je ne la connaissais pas. Bon, en même temps, je ne l'ai même pas payé 6 euros, je ne vais pas pleurer. Hein. Et c'est vanille musc, j'adore la vanille, j'adore le musc. La bouteille, ceci étant, est très jolie. Si vous entendez du bruit, c'est le sèche-linge, hein. Je suis désolée, il est tard, donc... La bouteille, je la trouve magnifique. Donc, nous avons le petit... petit truc normalement à enlever. Moi, j'ai tout arraché. Tout va bien. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça se remet. Alors, je trouve qu'il sent... Au départ... Bon, la vanille bourbon, certes, je ne sens pas le musc. C'est ce qui me déçoit le plus. Ça fait un peu chimique, ça me fait un petit peu penser au vanille bourbon d'Yves Rocher. Le gel douche, enfin, ou parfum, hein, ils ont un petit peu tout. Donc, il ne sent pas mauvais. Moi, je prends ce genre de parfum-là pour la journée quand je travaille. Étant donné que je travaille avec des enfants, je ne peux pas me permettre d'avoir des parfums forts. Et puis, j'ai pas envie d'utiliser mes parfums de luxe, entre guillemets, pour le boulot, pour la journée. Donc, je préfère utiliser des parfums pas chers comme ça. Ça me va très bien pour rester à la maison. C'est juste histoire de pas me sentir toute nue. Hein. Je suis une accro au parfum, donc forcément, quand j'en ai pas, je suis pas très à l'aise. Je n'aime pas ça. Donc, voilà. Écoutez.
Je vous ai tout montré, c'est quand même pas mal. J'en ai pour moins de 30 euros, donc ça c'est génial également. Et j'ai eu mon cashback sur Egral, donc je suis contente. Ouais, il n'y a plus rien. Eh bien écoutez, génial, 10 minutes, wouh, cette vidéo est désormais terminée. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est sympa. Ça permet de faire connaissance, c'est chouette. Et puis, prochaine vidéo, je pense que ce seront mes produits terminés du mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Merci.